toi. Oui, c'est toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Étoile filante, c'est là. On va passer par la cascade et après, on fonce droit sur les collines. Normalement, on peut le faire en une journée. Ça va être génial. Théo ! Théo ! Ah, Théo, mon ami Valmont va passer quelques jours ici. Tu connais sa fille Chloé. Je compte sur toi pour t'occuper d'elle. Mais enfin, pas, je pars en camping avec le marsu, tu le sais bien. Eh bien, c'est annulé. Chez les Dujardin, l'hospitalité, c'est sacré. Ah, tu as bien fait de sortir ta tante. Tu vas camper dans le jardin pour laisser gentiment ta chambre à Chloé. Je compte sur toi, fiston. Mais... Non ! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! L'hospitalité, c'est sacré, mais elle touchera pas à mes affaires. Tu vas la voir, c'est Chloé, une vraie nunuche avec une usine en acier dans la bouche à la place des dents et des boutons partout sur la tronche et des couettes, on dirait tes oreilles. Oh, et mes rollers, non plus. Elles ont un... Et mon ballon de basket, non plus. Mes albums de BD et le CD des Queers, non plus. Elle aura rien. Les voilà, vite, Marsu, mince! Dire que ça fait déjà 3 ans qu'on s'est pas vu. Regarde bien, ils font toujours le même cinéma en se retrouvant. Jean-Pierre, vieille broche pourrie! Moyo, 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 aïe, 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 aïe! Moyo, 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 aïe, aïe, aïe! Vieille canaille, vieux bandit. Qu'est-ce que je suis content de te voir. Viens. Ouba, ouba, ouba. Miam, 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 miam. Ouba, ouba, ouba. Miam, 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 miam. Oh, il est génial cet animal. C'est quoi? Eh, c'est un marsupilami. Oh. Salut Théo. T'as drôlement changé, dis donc. Bonjour Amanda. Oui, mais tu es de plus en plus jolie. Maman t'embrasse très fort. Elle veut que je ramène tes photos de Zoé. Ouba ! Théo t'a présenté Marsu ? Enchantée. Bonjour, Chloé. Ouba, ouba ! Théo, tu viens ? J'arrive, moi ! Ouba ! Marsu, ça se fait pas de fouiller dans les affaires des autres. Laisse-le, Théo, c'est pas grave. Bah dis donc, elle est drôlement vide ta chambre. Ouais, c'est vrai. J'aime pas m'encombrer de trop de trucs. Restez zen. Marsu! Oh là là, je sais pas ce qui me retient. En effet, super zen. Bon, Julien, je vais te faire visiter la maison. Oh, papa. Elle est vraiment chouette, votre maison. Ouais, pas mal. C'est moi qui ai tout fait. C'est incroyable. Chloé ressemble de plus en plus à sa maman. À propos, comment va-t-elle? Très bien, merci. Elle est désolée de n'avoir pu venir. Il est incroyable, hein. Il vient souvent chez vous. Mais tu veux dire qu'il est tout le temps chez nous? Tout le temps? T'as un sacré pot, Théo. Oh, tu sais, c'est aussi grâce à moi qu'il a appris beaucoup de choses. Alors, ça, c'est mon bureau. Marsu, pas touche. Si tu as faim, Chloé, par là, c'est la cuisine.
Maman travaille, je l'aide souvent dans ses recherches. Quand j'ai fini mes devoirs, bien sûr, parce que... Ouba. Mais... Oh. Ouba. Marsu, non. Tu ne dois pas toucher à ça. Ouba. Oh là. Ouba. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es vraiment nul. Hé, hey, Marsu. Ouba. Ouba. C'est pas grave, il va revenir. Peut-être quand toi, tu auras retrouvé ton sens de l'humour. Mais quel idiot, quel idiot, quel idiot, quel idiot! Ouba, 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 ouba. Bi, 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 oubi. Ouba, 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 ouba. Ouba, 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 ouba. Oubibi. Ouba. Bibibi. Oubibi. Oubim bim bim. Ouba. Bim 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 bim. Ouba. 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 Pardon pour cet après-midi, j'ai vraiment été nulle de te parler comme ça. Ouba. Ouba, 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 ouba. Quoi? Mais n'importe quoi, je suis pas amoureux de Chloé. Ouba. Bon, d'accord. C'est vrai, je l'aime bien. Elle est vraiment super jolie, tu trouves pas? Elle a vraiment changé. Ouba. Hop. Ouba. 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 Chez les humains, c'est pas en déracinant un arbre qu'on drague une fille. Ça se passe plus doucement et plus discrètement aussi. Oh non, oh non, oh non. Ouba, baba, ouba. J'ai une idée. Chloé t'adore. Demain, on lui montre qu'on est deux vrais amis. Oudak. Oudak. Et quand tu me faisais croire qu'il y avait des vampires dans la forêt, tu te souviens? Mais avec toi, c'est facile. Tu ne marches pas, tu cours. Ah oui, tu crois? Tu viens, Chloé? J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Dis donc, ils s'entendent drôlement bien, nos gamins. Bravo, hein? Quelle perspicacité! Bah, tu penses que Théo, Chloé, Chloé, Théo... Oh, ta fille, je ne sais pas, mais ton oh, fils... Oh, non! Tu l'inventes! Non! Ah, comme c'est joli ici. Chut, tada! Wow, des bébés marsupilamis. Bibu, c'est le curieux et le téméraire, comme son père, n'est-ce pas, Marsu? Là, Bibu, je vais te consoler. Bibi! Hey, si on allait à la cascade, hein, Marsu? Oudak! Ça y est, j'ai fini. Alors Théo, elle est bonne? Goûte-la toi-même. Alors là, tu vas le regretter. Tiens.
Oui, oui. Tu as le vertige? Non, non, mais j'aime pas trop espionner mon fils. On n'espionne pas, on s'informe. Papa! Oui, bah, nous aussi, on voulait prendre un bain, hein? Elle est super bonne, non? Si j'avais pu imaginer ça... Ton fils, ma fille. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Non, je t'en prie, mon oiseau des îles, fais quelque chose. Hein? Bonsoir tout le monde. Bon, allez, on mange. Je vous ai préparé un haras de... un poulet noix de coco. Vous m'en direz des nouvelles. Théo, viens manger. J'ai pas faim. Amanda. Au fait, Théo, tu as proposé à Chloé de t'accompagner à la nuit des étoiles filantes. Mais non, papa l'a annulé. Parfaitement. L'hospitalité, c'est sacré. Ah, c'est trop chaud. C'est une excellente idée, hein, hein. Il faut que tu emmènes Chloé à la nuit des étoiles filantes. C'est vrai, on pourrait y aller. Mais ce n'est pas dangereux au moins. Tu avais raison, c'est chaud. Avec Marsu, il ne risque rien. Ce sera leur ange gardien. Génial! Chloé, tu vas adorer. Viens, on va préparer les sacs. Et mon poulet noix de coco? Trop chaud! Bon alors, demain matin, on part ensemble. Et tu trouves un prétexte pour me laisser seule avec Chloé. Mais non, tu ne pars pas vraiment. Tu nous suis, mais tu te caches comme ça, elle croira que je me débrouille très bien dans la jungle. Tu sais, là-bas, dans les collines, sous les étoiles, j'arriverai à lui dire que je l'aime bien, que je l'aime pour de vrai. Avec moi, tu ne risques rien dans la jungle. Je la connais par cœur. Allez, on y va. Reste bien près de moi. Chloé, viens, tu vas adorer. Oh, Chloé, viens voir comme cette fleur est jolie. Je vais te l'accueillir. Théo, quelle fleur? Où es-tu? Je suis là. Mais c'était pas une fleur, c'était un oiseau, mais il est parti. Eh ben, c'était un gros oiseau. Tu vois, Chloé, ce que j'aime dans la jungle, c'est sa flore luxuriante, sa faune hostile, mais surtout le danger qui menace à chaque instant que seuls quelques initiés connaissent. T'es obligé de parler tout le temps comme ça. Ah!
va s'arrêter un peu pour prendre des forces. J'ai du chocolat dans mon sac. T'en veux? Merci. Comme t'as vu, j'ai super organisé toute l'expédition. On est là, au pied des collines. Si on veut arriver au sommet avant la nuit, il faut y aller. Mais pourquoi il ne revient pas, Marsu? Bah, ses bébés doivent le retarder. Allez, on repart! Pourquoi tu cries comme ça? C'est un truc pour faire fuir les bêtes sauvages. Et ça marche? Ben, j'espère. Mais qu'est-ce qu'il fait, Marsu? Je l'entends plus. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien, je... Une bête, attention! Mais enfin, Théo, tu vois que ce n'est qu'une branche. Chut, écoute. On fonce. On fonce. Gâteau Gordo. Tu le connais? Reste derrière moi. Marsu, où es-tu? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu t'es déjà trouvé en face d'un jaguar? Pas trop, non. Oh, attends. Sale bête. À trois, on y va. Vite, Chloé, par là! Non, pas par là! Bouger le blessé, en cas de perte de connaissance, pratiquer le bouche à bouche. Tant pis, quand il faut, il faut. Théo! Ah, Chloé, tu vas bien? Je crois. Oh, quelle chute! Où on est? Je ne sais pas, le passage est bloqué. C'est pas grave, viens, on va trouver une autre sortie. C'est beau. Ouais, trop génial. C'est tout lisse, tout doux. Fais voir. Ah oui, t'as raison. Mais par où il est entré? Il doit y avoir un autre passage. Recule, doucement. Un cul-de-sac, on est coincé. À propos de sac, t'as rien dedans pour... Mais si, le reste du poulet de noix de coco à papa. Qu'est-ce qu'on fait? Un dernier bisou. Marsu! Un aveu que je dois faire. Tout est ma faute, je suis désolée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as sauvée. Sans toi, ce dingue de jaguar nous aurait dévoré. Non, c'est pas ça. Sans Marsu, je ne sais pas me débrouiller seule dans la jungle. J'ai voulu frimer. Pourquoi?
Eh ben, parce que je t'aime bien. Enfin, je veux dire beaucoup. Et que j'avais envie que tu m'aimes aussi. Tu sais, Théo, je... Oh, là là là. Ah, c'est Marsu. Minutes 33 secondes de retard. J'appelle les pompiers. Nous voilà. Mon bébé. Alors, tout s'est bien passé? Ouais, une vraie balade super tranquille. Oh, dites, si vous voulez pas rater votre avion... Bon, à la revoyure, vieille canaille. Toi-même, vieux requin. Tu m'écriras une fois par semaine. Oh, j'oubliais. Tiens, c'est un souvenir. Au revoir, Théo. Au revoir, Chloé. Ça va, bien. Chloé ne me manquera pas trop. Et puis, qu'est-ce que c'est, 2 ou 3 ans quand on s'aime vraiment? Ouba? 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 Ouba?